La photo partagée par Jean-Luc Reichmann sur les réseaux sociaux a suscité de l'inquiétude chez certains internautes en raison de la présence de Patrick Sébastien, qui avait récemment été hospitalisé pour des problèmes de santé. Cependant, il semble que cette rencontre entre les deux animateurs était amicale et que Patrick Sébastien se porte bien. Il est toujours important de surveiller sa santé, surtout après avoir été hospitalisé, mais il semble que ce n'était pas la raison de sa visite au théâtre ce jour-là. Jean-Luc Reichmann est en effet très occupé avec ses différents engagements professionnels. Outre son rôle d'animateur quotidien dans l'émission Les 12 coups de midi et son personnage dans la série Léo Mattei sur TF1, il participe également à la pièce de théâtre Le Bracelet aux côtés d'Isabelle Mergault. Ce rôle de théâtre lui permet d'explorer un registre différent et de partager la scène avec des collègues talentueux. C'est un emploi du temps chargé mais visiblement passionnant pour cet animateur polyvalent. C'est toujours agréable de voir des personnalités apprécier et soutenir le travail de leurs collègues. L'invitation de Jean-Luc Reichmann à Patrick Sébastien au théâtre montre l'esprit de camaraderie qui règne dans le monde du spectacle. Ces moments de partage entre artistes sont précieux et renforcent les liens entre eux. Cela témoigne également de la reconnaissance mutuelle de leur travail et de leur talent. Il est compréhensible que les internautes réagissent avec préoccupation en voyant une personnalité médiatique comme Patrick Sébastien changer physiquement. Cependant, il est important de rester prudent dans les conclusions que l'on peut en tirer. Les variations de poids et d'apparence peuvent être liées à de nombreuses raisons différentes, qui ne sont pas nécessairement liées à des problèmes de santé graves. Il est préférable d'attendre une communication officielle de la part de l'intéressé ou de son entourage avant de tirer des conclusions hâtives.